Voilà, désolé de cette ellipse forcée, parce que Minecraft a complètement crashé. Donc je ne vais plus taper dans Herobrine, parce que sinon ça va encore refaire la même chose. Donc c'est pas grave, hein, donc je vais vous montrer. Fait peur, il fait peur. Ah. Mais bon, plus besoin du mode Herobrine, puisque maintenant on l'a dans le mode Minepix. On a aussi le Slender, ça fonctionne comme un Enderman, mais il est beaucoup plus fort et résistant. Moi, je vous conseille de ne pas vous attaquer à lui. Heureusement pour vous, on ne le trouve que dans l'Ender. Mais maintenant, on va passer à... Je vais enlever tout ça. Hop. Et voilà. Pour vous montrer maintenant, Jean-Kevin, notre nouveau cobaye préféré. Oh non, c'est pas vrai. Il faut aussi changer le mode de difficulté pour le mettre. C'est pas vrai. Bon, lui, on peut le tuer, il nous fait rien. Tiens. Tiens. Espèce de petit con. Tiens, tu nous as fait souffrir pendant toutes ces années. Tiens, tiens. À bas les Jean-Kevin. À bas les Jean-Kevin. Oui, Jean-Kevin est mort. Et je prends son cœur. Voilà. Attendez, je supprime tout ça. Voilà, je tiens dans ma main le cœur de Kevin. Il est bel et bien mort. Notre pauvre petit Mexicain est mort. Je viens de le tuer. Et la preuve, j'ai son cœur en main. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça fait des bisous quand je fais clic droit dessus? What? Allons faire ça à un mob pour voir un peu ce que ça fait. Ça m'a l'air bizarre. Ça fait rien du tout. Ok, et dire qu'il en faut 4 comme ça pour faire l'invocateur. Donc voilà un gold golem là-bas. Hein. Ça, ils spawnent aussi tout seuls. Ils peuvent spawner naturellement, mais je sais pas comment j'ai trouvé. Hein. Il faut l'invocateur. Et des cœurs de Kevin. Donc maintenant, si vous voulez vous défouler sur quelqu'un, c'est bien Jean-Kevin. Et maintenant, nous passons aux armes, outils et armures. Voilà. C'est les mêmes. Les crafts, ce sont les mêmes que. Enfin, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes crafts. C'est comme si vous faisiez des outils en fer, mais à la place du fer, vous mettez du saphir, du rubis, de l'émeraude, de tout ce que vous voulez, quoi. Même de l'onyx. Parce que l'onyx, je trouve que ça fait classe. Parce que les outils sont noirs. Trop bien. Et les armures, c'est pareil. Même chose. L'armure en obsidienne, elle est faisable. Et donc, voici le mur des items introuvables. Car ces items sont cheatés. L'épée peut tuer en un coup. La pioche, elle mine super vite. La hache, elle mine super vite aussi. La pelle, c'est pareil. Et la faux, bah, c'est pareil. Ben, ils ont beaucoup d'utilisation. C'est mieux que le diamant. Et cette armure-là, eh ben, tout simplement, si vous l'avez en entière, vous êtes invincible. Le pantalon vous permet de courir plus vite. Le plastron vous permet... Non, les bottes vous permettent de perdre moins de vie. Le plastron vous permet de sauter plus haut. Et le casque, la nyctalopie. Non, le plastron donne aussi des cœurs. En grand, en fait, non, qu'est-ce que je raconte? Ils donnent tous une barre de... ils donnent tous 20 points cœur. Tous. Mais le casque, lui, donne nyctalopie. Hein. Et si jamais je mets le full set... Hop, je l'ai mis. Nyctalopie. Et hop. Avec les chaussures, je peux courir super vite. Je suis trompé, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, les golems spawnent tout seuls. Ils sont bien plus forts qu'un golem
de fer. Le golem d'or est plus fort que le golem de diamant. C'est déjà testé. Alors, vous voyez, hein? Saturation, absorption, amélioration de sort 2, de saut 2, résistance au feu, respiration aquatique 2, nyctalopie et vitesse 2. Et vous allez comprendre ce que je vais dire par ce que j'ai dit par absorption. Voilà votre vie. 50 points cœur, de quoi bien vous faire chier, surtout que vous avez de la défense. Donc du coup, vos points cœur ne disparaissent jamais. Vous êtes invisible. Enfin, je sais pas comment dire en anglais, mais en gros, invincible. Voilà. En gros, vous ne mourrez jamais, vous êtes le dieu tout-puissant. Voilà, déjà, si j'enlève les bottes, vous avez vu tout ce qui part. Maintenant, j'enlève le pantalon, rien ne part. Là, j'enlève le plastron, rien ne part. Et là, le casque, tout s'en va. Oh, ça clignote, je vais plus avoir de nyctalopie. Non, il fait noir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il me semble que non. Si je regarde derrière, normalement j'ai peut-être mis quelque chose encore. Non. Non. Donc, le prochain mode, celui qui est derrière ce mur, jusqu'au bout là-bas, ce mode s'appelle plus d'aliments. Eh oui, enfin un mode en langue française. Et ce mode est aussi en anglais, en espagnol et en allemand. Bon, alors je vous retrouve tout de suite pour le prochain mode, plus d'aliments. Allez, à tout de suite!